notion de collapso et de quoi on a parlé? Qu'est-ce qui est resté? Moi, j'ai gardé le souvenir d'une conversation où je me suis étonnamment intime. Enfin, intime, Oui, j'ai c'est pas vrai, beaucoup, c'est vrai. mais c'est ça dont je me souviens. En fait, les questions, enfin, je pense que c'était partagé entre le côté peut-être un peu intimidant. Et peut-être un peu intimidant, scientifique de l'exercice collapso d'un côté, et puis comment on peut le vivre de l'autre, en particulier dans la période du confinement. Et on va un petit peu continuer ça ce soir, et après on aura des invités. Comme je disais tout à l'heure, avant que tu arrives, il y aura peut-être Vincent Mignot qui viendra la prochaine fois, la fois prochaine. Ok, merci. C'est un très bon lancement. Donc, YouTube aura eu raison de Facebook. Nous sommes en direct sur YouTube, du coup. Ce sera retransmis ultérieurement sur Facebook. Je vais reprendre l'écran pour lancer le générique. Donc, Anaëlle, excusez-moi, votre dessin est formidable. Ah oui, Et c'est le rapport là. Je reprends l'écran pour pouvoir, du coup, lancer le top générique. Et Vanessa, c'est vous qui lancez le générique. Eh bien, mon cher Olivier, pour cette nouvelle édition du Collapso Show, je vous dis top générique. Olivier, t'as gardé l'ancien générique. Je sais pas si t'as le nouveau. C'était pas celui-là de la semaine dernière. Ce n'est pas du tout le bon, mais alors attendez, il est où le nouveau? Hop. Ouais. Un Excuse-moi, je petit stresse souci un au peu, mais. studio Gabriel, mais on va rectifier ça tout de suite. Là, il est là, hop, il vient de sortir. Donc, il faut juste que je trouve la bonne fenêtre dans le bureau. À 21h30, on commence, hein, promis. Mais je vais relancer, je vais relancer. Hop, c'est le générique Collapse 2, il est où? Il est... Voilà, apparemment, c'est lui. Si on le remet au début. Oui, c'est ça. Si on est dans le bon générique. Donc, désolé. Merci Olivier. Pardon Merci, pour le attendez, toutes stress. mes excuses. Vanessa, c'est à Eh vous. bien, bienvenue au Collapse Show, top générique. Non. Eh ben non. On va Alors, faire le générique nous-mêmes, on va tous crever des camps. effondrement, dépression, collapsologie, C'est ça, c'est fin du monde, débat. communauté, on peut lancer tous les mots qui sonnent bien pour cette nouvelle édition du Collapso Show. Hop, ça va être bon, effectivement. Mais alors, par contre, il va falloir meubler 2-3 minutes. Mais... Non, mais on peut peut-être commencer et puis on refera le générique au milieu. Ouais. On va dire ça. Le thème de ce soir... J'ai pas compris pourquoi il fallait meubler Olivier juste pour ma sagacité. Le générique est en Parce que train c'est en train de se télécharger. Il Voilà, recopie la cassette avec le stylo. c'est parti, du coup, on va Allez, quitter. super. Et là, cette fois-ci, on ferme ça, je ferme toutes les fenêtres comme ça. Il n'y aura pas de souci de... Enfin, il y a déjà assez, on va dire. Hop, alors, sauf qu'il faut aller là. Ce soir, Autre sur bouton dans la rue. Antenne TV, nous Voilà. retrouvons la nouvelle édition du Collapso Show. Avec un générique, je ne vous en dis pas plus. Nous l'attendons, nous frétillons. Chaud. Enculade éternelle,
Bienvenue sur le plateau du Collapse au Show, enfin, désolé. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Manu. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue à ce numéro 2. Nous sommes très ravis de vous retrouver. Ce soir, on va commencer avec Nicolas. J'ai bien envie de commencer l'émission en lui posant des petites questions courtes et je voudrais qu'il m'explique en 20 secondes, 30 secondes, si c'est Collapse ou pas. Ouais, collapse or not. Allons-y. Alors, Donald Trump. Donald Trump, c'est complètement décadent, donc complètement collapse. Ouais, où est-ce qu'il est c'est pas préparé, hein, mais alors dans mes lectures du moment, L'aigle, le dragon et la crise planétaire de Jean-Michel Valentin, qui explique comment le couple sino-américain en fait accélère la crise climatique, entre autres, et comment en fait ça contribue à l'expression de l'anthropocène, dit clairement, une des thèses de ce bouquin de Jean-Michel Valentin, donc qui fait de la polémologie, c'est que les États-Unis sont des accélérateurs de collapse. Non seulement ils ne luttent pas contre le réchauffement climatique, entre autres, mais en plus ils l'accélèrent. Okay. Là, on est à plus de 20 secondes, là. C'est ça, pardon. C'est Nicolas, mais c'est pas grave. Vous pouvez me mettre des petites propositions dessous et je les relayerai, bien sûr. La bière, collapso ou pas, la bière ? La bière, c'est bon. Autonome Diogène, dans les cafés collapse, on boit beaucoup de bière. Et donc, un peu collapso pour ça. Et sinon, ça fait partie des aliments qui sont menacés de disparition sous nos latitudes. Ah, voilà. L'ouverture des écoles le 11 mai, collapso ou pas ? Avis réservé, c'est techniquement très… ça peut faire un débat, celui-là je ne le prends pas en 20 secondes, mais compliqué. On ne peut pas dire collapso ouvertement, pas comme les deux autres. Bien. Et le Covid-19, collapso ou pas ? Complètement prétexte à renifler la résilience de nos sociétés, mais pas du tout… pas trop anticipé par les collapsos. Donc, nous, ça nous intéresse, mais c'est un peu le prétexte. C'est un peu comme si tu parlais à un spécialiste de la guerre et que tu lui demandes ce qu'il pense de l'assassinat de l'archiduc d'Autriche. Ok. Question piège, mieux vaut une voiture fabriquée en France ou un vélo fabriqué en Chine ? Oh putain. Ah ouais, c'est piège, ça. Non, un vélo. Un vélo, je pense que si ça se résume à son bilan carbone, il n'y a pas photo. Ok. De grandeur. Parfait. Merci pour cette introduction. Donc, vous êtes toutes et tous invités ce soir, comme je l'ai dit, à participer en écrivant. Puis, on vous donnera aussi la parole. Je crois que c'est possible, mais ce n'est pas moi qui ai les manettes. Pour orienter le débat de ce soir, on a beaucoup entendu parler cette semaine de gros mots qu'on n'osait pas dire, c'est-à-dire récession. On est en récession ou c'est pire que ça ? Alors, c'est… Ouais, là, j'ai un peu plus de… Je vais essayer de le faire en top. Maintenant, on rentre dans le vif. Ouais. Alors, techniquement, une récession, c'est quand le PIB est négatif, quand il y a une décroissance du PIB. Alors, première chose, je pense qu'avant, pour des tas de raisons que je ne vais pas développer en deux minutes, on était en fait dans un contexte de stagflation, c'est-à-dire qu'on avait une inflation masquée en même temps que une stagnation du PIB. On avait une croissance, enfin, on était censé avoir une croissance du PIB qui était faible, et une inflation qui ne disait pas son nom. Mais ça, c'est déjà polémique. Donc là, on n'en est plus là du tout.
La question, en fait, c'est au moment où on rentre dans la crise, c'est quelle va être l'ampleur de la récession. Donc, oui, c'est bien une récession et ce n'est pas une décroissance. Alors, c'est ça qu'il faudrait distinguer, en fait, c'est récession ou décroissance. La récession dans laquelle on rentre, très clairement, on l'a subie. Donc, ça veut dire que ce n'est pas anticipé. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir plus de gagnants et plus de perdants de façon cinglante et que les gens qui sont un petit peu malins, il y en a, ils vont pouvoir continuer à tirer leur épingle du jeu. Et après, la question de long terme que ça pose, c'est bah, c'est quoi le modèle économique de demain ? Et ça revient à un truc qu'on se disait déjà un petit peu la semaine dernière, et je me tais là, c'est est-ce que, en fait, ce à quoi on consacre notre énergie pour animer l'économie, c'est quelque chose de l'ordre de la croissance ? Ou quelque chose de l'ordre de la transition écologique, ou quelque chose de l'ordre de la fabrication de la résilience, en sachant que les trois ne sont pas toujours compatibles. Enfin, il y en a qui sont clairement incompatibles. On ne peut pas faire de la croissance et de la transition écologique, enfin, ou marginalement. Et pareil avec l'intérêt qu'on accorde à la fabrication de la résilience. Mais alors, on peut encore croître ou pas ? Alors Jean-Marc Jancovici, qui n'est pas collapsologue, mais qui est largement écouté par les collapsologues, lui dirait que non, parce que la croissance, en fait, c'est que l'expression de notre dépendance essentiellement au pétrole, pour simplifier, et toute son analyse, en fait, c'est, ça passe par, il y avait Michael Ruppert avant lui, ça passe par le fait de dire que nos sociétés sont, notre société moderne est archidopée aux énergies carbonées, d'abord le charbon, puis le pétrole à partir du début du XXe siècle, pour simplifier. Et comme en fait, on a passé les pics de détection, puis de production du pétrole, on va se retrouver en décroissance subie. Voilà. Donc, on va dire que là je vais faire une petite généralité, mais sans problème, plus de 80% des gens qui travaillent sur la collapsologie et qui essayent d'avoir une pensée originale te diront que l'idée de la croissance, elle est obsolète. Une remarque. Le côté amusant de la chose, c'est qu'on a eu un pétrole qui a été négatif donc lundi, hein, descendu à moins 40 dollars. Or, les organismes de prévision américains des productions de pétrole prévoyaient pour le troisième quart de l'année une demande inférieure, enfin supérieure à l'offre. C'est-à-dire qu'on a passé le pic en 2018, enfin en 2018, on l'a passé récemment, et en fait là, normalement, on arrivait pour la première fois de l'histoire à avoir un manque de pétrole, et donc un truc terrible. Donc là, on va imaginer que le pétrole, il va partir à plus de 100 dollars, alors qu'actuellement, il vaut 15 dollars, voire 10. Voire moins 37, si tu peux le... Et ça, c'était aussi un indicateur de notre propre... Enfin, de la fragilité de notre société et du fait que le monde est en tension dans ses approvisionnements, ce qui est exactement le contraire de la résilience. Une des façons de fabriquer de la résilience, c'est de pas chercher l'optimisation des flux, mais plutôt la diversification des connexions possibles dans des réseaux d'approvisionnement. Et là, ce que ça va nous montrer, c'est que c'est pour le coup, c'est à la fois une ressource qui va en se raréfiant et qui est en tension. Voilà. Voilà, je présente Penny. Tu n'es pas seul, en fait. Alors, tu as une chatte que tu as appelée Penny, c'est amusant. Je trouve aussi. C'est un peu pervers, mais bon. C'est la plus belle du monde, alors ne te moque pas trop d'elle. Est-ce que tu fais une différence, je reprends ce que tu as dit tout à l'heure, entre décroissance subie et récession ? Ah ouais. Récession, c'est très négatif et ça sous-entend, en tout cas dans l'histoire, il n'y a pas d'épisode de récession économique qui ne soit pas violent, subi et qui s'accompagne de troubles sociaux importants. En tout cas, dans l'histoire moderne, ça n'existe pas. Il y a et c'est pour ça, alors, et récession. Ouais, là je vais tout de suite être moins rigolo là. Pourquoi est-ce qu'on est avec... Enfin, c'est pas... comment dire, parce que la crise dans laquelle on rentre,
Si on essaye de la rapprocher de d'autres crises économiques, on sait qu'elle ne sera pas comparable avec, par exemple, avec 2007 ou même avec 1974, compte tenu d'une chose, c'est le montant, on va dire la bulle, mais c'est un peu une simplification, mais c'est pas grave, on va dire le volume et la durée de l'épisode de spéculation financière sur lequel on était, qui est en fait sans précédent dans l'histoire de l'économie moderne, sinon ce qui s'est passé avant la crise des années 30, d'une part, et puis d'autre part, ce qui est inédit, c'est notre capacité à faire ce qu'on appelle du quantitative easing, c'est-à-dire de la fabrication monétaire, pour masquer les impacts que vont avoir cette crise. Alors le seul problème, c'est que faire tourner la planche à billets, c'est pas viable, ça crée de l'inflation qui là aussi ne dira pas son nom. Contrairement aux années 30, on sait mieux masquer l'inflation. Est-ce que ça va nous rappeler, sans parler d'abord de la paupérisation que ça va, alors ça c'est sûr que ça va causer sur des populations qui sont déjà fragiles, la perte de leur épargne, enfin quand ils en avaient, mais ce que ça va nous rappeler, c'est le niveau de décorrélation entre ce qu'on appelle l'économie réelle et la financiarisation du monde. Donc on est dans un monde qui est beaucoup plus interconnecté et globalisé que dans les années 30. On était jusqu'il n'y a pas longtemps sur un volume de spéculation qui est le même que celui dans les années 30, et on a une capacité à masquer l'inflation qui est plus forte, ce qui veut dire que ça va être assez inédit en termes d'impact sociaux. Et là, je vous dis ça du point de vue de quelqu'un qui vit en France. Que tout le monde a bien compris ce qu'il vient de dire. Oui, c'est un peu pointu, mais c'est bien. Je pourrais me faire reprendre sur deux trois trucs que je viens de dire. Hein. C'était un peu grossier. Hein. Ok. Question d'une auditrice. Quel est l'impact de la difficulté de stockage du pétrole qu'on ne consomme pas en ce moment? Yann, il saura peut-être mieux que moi ça. Yann, tu sais? Oui, enfin l'impact, le, je ne sais pas ce qu'on entend par impact, parce que de toute façon ça va être un impact à court terme, mais en gros là on remplit tous les tankers, en gros ça coûte de l'argent de stocker un baril, en gros on vous donne le baril et après il faut payer pour le mettre en stockage et il n'y a pas de prix minimum, donc ça peut aller à moins 100$, ça peut aller à moins 200$. Voilà, là on a rempli une grosse réserve aux États-Unis qui s'appelle Cushing, qui est pleine. Et donc là, on met partout du pétrole sur tous les bateaux. Bon, qu'est-ce que ça peut faire? Je sais pas exactement ce qu'on peut dire, mais tout simplement, on est en surproduction et on ne sait plus où le mettre. Et comme on ne peut pas fermer un puits, parce que si on ferme un puits, après, il faut repercer parce que c'est sous pression. Et donc, ça recoûte des sommes folles. Donc, ce n'est pas comme un robinet. Enfin, tout dépend des puits, mais les puits américains sont comme ça. Alors que les puits en Arabie Saoudite, on peut fermer un robinet, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, c'est une guerre. De toute façon, c'est une guerre entre Poutine et la Russie. Entre Poutine et les États-Unis. Et les États-Unis sont passés leaders avec 13 millions de barils. La Russie, c'était les deuxièmes avec 10 millions, quelque chose comme ça. Et en fait, ils veulent tuer les boîtes américaines qui font du gaz de schiste et du pétrole léger, puisqu'elles ont des rendements. Enfin, pour arriver à rentabiliser le baril, il faut que ce soit à plus de 40-50$. Donc, en ayant un prix en dessous, ça va produire la faillite de à peu près 30% du parc américain. Et c'est voulu pour que les États-Unis ne soient plus les premiers producteurs à terme. Voilà, c'est une guerre. Ouais. Pour compléter un tout petit peu, en fait, il faut distinguer dans les pétroles différentes qualités et différents bassins et différentes façons de le produire. Et vraiment, en simplifiant, on va dire il y a trois mondes qui sont différents. Il y a l'Arabie Saoudite et le Moyen-Orient d'un côté. Il y a les États-Unis et le Canada de l'autre. Et puis il y a le reste. Alors, vraiment, en gros, les pétroles de bonne qualité, pour le moment, sont plutôt
en Arabie Saoudite et au Moyen-Orient. Sauf que même en Arabie Saoudite, qui était censé avoir le plus de réserves, il y a très peu de réserves de découvertes de nouveaux gisements, ce qui fait qu'on peut dire que même là, le pic du pétrole a été passé il n'y a pas si longtemps. Les États-Unis et le Canada étaient censés ne plus être producteurs, et puis depuis un peu plus de 5 ans, non, un peu plus même, ils se sont mis à produire des pétroles bitumineux ou des pétroles de gaz de schiste qui sont de très mauvaise qualité et qui sont une catastrophe en termes de rendement et qui sont une catastrophe environnementale complète. Et qui demande à être mélangé avec 98% de pétrole russe. D'ailleurs, il faut savoir qu'ils mélangent le pétrole léger américain avec du pétrole lourd russe pour en faire quelque chose d'utilisable. Donc, c'est très amusant parce qu'ils se font la guerre, mais ils ont besoin l'un et l'autre de leur pétrole. Voilà. Et clairement, les autres acteurs, en fait, y a, à l'intérieur du troisième ensemble, on va faire... deux sous-ensembles. Il y a la Russie, effectivement, qui est dans une position très agressive commercialement, entre autres avec les États-Unis. Et puis après, il y a des pays tiers comme le Venezuela, le Niger, qui sont sur des conditions économiques d'exploitation encore différentes et qui, eux, très clairement, vont souffrir de la chute dramatique du prix du baril. Parce qu'à la fin, tout ça, c'est des barils et il y a un prix, on va dire, à peu près unifié ou moyenné sur le marché mondial. Et donc, c'est une catastrophe pour… Là, clairement, déjà, ce qu'on est en train de vivre, c'est une catastrophe pour le Venezuela, le Niger, l'Algérie, quelques autres pays qui pourraient, dans les semaines et dans les mois qui viennent, mais on ne parle pas en années, collapser uniquement à cause de ça. Et là, pour le coup, on parlera vraiment de collapse. Deux réflexions que j'ai. Au Mexique, on n'a pas voulu respecter l'accord de l'OPEC pour réduire la production de pétrole. Et maintenant, on continue notre production, mais notre pétrole ne vaut rien. Et autre remarque, au-delà du prix et de la qualité, peut-il y avoir un impact écologique de cette surproduction ? L'impact écologique, je réponds à la dernière. L'impact écologique, je pense qu'il est honnêtement, il est marginal par rapport à. Enfin, je vois pas de. En gros, ça va pas devenir. Ça va pas devenir une marée noire, quoi, cette affaire. Si c'est ça. Je vois pas qu'elle y pourrait être. Non, l'impact économique est vraiment dévastateur. Enfin, c'est inédit. Pareil, Yann, tu connais ça mieux que moi, mais ça met la tête à l'envers à beaucoup d'analystes des marchés du pétrole, ce qui est en train de se passer. Donc, du coup, on peut avoir un effondrement qui est dû à une surproduction de pétrole plus que ce qu'on craignait, c'était une fin du pétrole. Non, mais on l'a bientôt, ça. C'est pas exclusif. En fait, on va enchaîner les deux. C'est-à-dire qu'il y a quelques pays qui devraient s'effondrer à cause de l'effondrement du prix du pétrole. Et derrière, ça n'empêche pas une crise de la rareté. Enfin, il faut s'entendre par effondrement. Ce qui va se passer, c'est que simplement l'Algérie, tous les pays, le Venezuela, tous les pays qui ont 90% de leurs revenus, en fait, hein, pour nourrir les gens, pour acheter du blé, en l'occurrence, c'est le pétrole. Donc, ces gens-là ne vont plus avoir, effectivement, de quoi acheter du pétrole. Donc là, c'est un vrai problème pour ces quelques pays producteurs qui n'ont pas d'autres ressources. Voilà. Après, ce n'est pas un effondrement écologique. Hein, structurellement, ils n'auront plus d'argent. Mais ça ne va pas durer non plus. Hein, ça ne va pas durer. Ça va être une transition de quelques mois. Hein, dans 3 mois, à mon avis, on sera dans un autre paradigme. D'accord. OK. Donc, on est quand même plus dans une crainte de l'effondrement qu'une décroissance toute simple en ce moment. En fait, il faut réfléchir par bassin de... Par bassin géographique cohérent. C'est-à-dire que ce qu'on vit en France, en Italie, c'est pas la même chose que ce qui se passe au Venezuela. Le Venezuela, pour moi, coche déjà
trois cinquièmes des cases de l'effondrement, mais depuis 4 ou 5 ans. La Grèce, dans une certaine mesure, coche quelques cases de l'effondrement, mais pas toutes. Alors je reviens à ce qu'on disait la semaine dernière, c'est quoi l'effondrement? Avant ce qu'on est en train de vivre, donc une association entre une crise sanitaire du coronavirus et puis un crash financier inédit, avant, les collapsologues, ils disaient ben, l'effondrement, en fait, ça dépend. On va dire, pour vraiment simplifier, tu avais Jared Diamond qui dit l'effondrement, c'est quand la population, la population à un endroit donné diminue. Donc, le signe de l'effondrement, c'est ça, diminue, voire diminue très fort. Et puis, tu as des gens qui étaient un peu plus nuancés ou plus inclusifs aussi, notamment comme Yves Cochet, dans une certaine mesure comme Vincent. Enfin, non, Vincent, il dit encore autre chose. Yves Cochet, il dit un truc qui n'était pas con. Il disait, l'effondrement, c'est quand ça se reconnaît à l'absence de disponibilité des services courants de l'État. C'est quand l'État ne peut plus fonctionner. Et donc, il y a à des tas d'endroits, des espèces de marchés parallèles qui se mettent en place. Et tu peux prendre... Dimitri Orlov le dit aussi dans une certaine mesure, tu peux prendre comme cas à ce moment la transition entre la fin de l'ex-URSS et les 4-5 ans qui ont suivi où il y avait une économie parallèle qui est devenue plus puissante et plus puissante que l'État. Et puis progressivement, l'État s'est remis en place. Alors ça ne veut pas dire que l'État avait complètement disparu, ça veut juste dire que c'est plus compliqué. Ouais. C'est intéressant que tu reprennes, tu cites l'URSS. Moi, j'avais dans la tête ce qu'on nous disait quand on était gosses au collège, l'URSS, c'est un colosse au pied d'argile. En gros, là, le système capitaliste mondial qu'on a créé, c'était un colosse au pied d'argile. C'était connu. Et en fait, tout ce qui se passe en ce moment, c'est systémique. C'est la crise du système, mais c'était vraiment, c'était hyper prévisible, en fait. Ouais, on revient à un débat qu'on avait un peu la semaine dernière et qu'on aura peut-être beaucoup avec Vincent quand il sera là. C'est en fait, qu'est-ce qui était prévisible et qu'est-ce qu'ont annoncé les collapsologues ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas annoncé? Alors, ça, si ça ne t'embête pas, pour le coup, je ne réponds pas trop. Je préfère qu'on attende que Vincent soit là. Par contre, ce à quoi je peux répondre sans problème, c'est le côté effectivement colosse au pied d'argile de l'ex-URSS. C'est bien parce que ça me permet un petit détour. J'avais un prof, il m'avait expliqué un des trucs les plus, je trouvais les plus malins que j'ai jamais entendu dans mes études. Il disait, en fait, la vraie raison pour lui de l'effondrement de l'URSS, c'était pas tant qu'ils avaient d'abord mis largement en faillite écologique une partie de leur agriculture, ou qu'ils avaient dépensé beaucoup trop d'argent dans de l'armement, en tout cas plus que ce qu'ils pouvaient se permettre, c'est qu'il n'y avait pas d'agrégat de comptabilité nationale qui permettait de bien gérer un pays socialisé. C'est-à-dire, ce qui est terrible à dire, c'est que l'économie libérale, on en pense qu'on veut, mais il y a des agrégats de comptabilité nationale qui ne sont pas trop dysfonctionnels. Et en gros, il y a un bout de régulation, enfin, quand il croit, hein, je ne vous donne pas une position ferme et définitive là-dessus, mais en tout cas, il y a des agrégats de comptabilité nationale et il y a des économistes pour te raconter que ça permet, sans être trop déconnant, des ajustements qui font que tu n'es jamais trop dans l'absurde. En revanche, pour les économies socialisées, la pensée économique n'avait pas inventé d'outils de comptabilité nationale qui faisait qu'on pouvait bien piloter des projets. Par exemple, je sais pas, tu dis n'importe quoi, je dis pas n'importe quoi, quand ils voulaient faire des barrages pour pouvoir faire du blé autour de la mer, sur les congruents de la mer d'Oural, en fait, c'était un investissement qui était pharaonique et qui n'était pas contrebalancé parce que tu t'en tirais en retour. Et en plus, c'était une faillite écologique, mais parce que la nature est considérée comme une ressource qui coûte zéro. Ça, c'est vrai pour l'économie libérale aussi. C'est un autre problème. C'est qu'on a oublié la pensée des physiocrates, qui étaient les premiers économistes, et on est passé après à l'économie libérale, qui considère que la nature, ça vaut zéro. Je vous renvoie à Gaël Giraud là-dessus. Mais on s'en fout. Enfin, non, on s'en fout pas, c'est intéressant. Et donc, blablabla, tout ça pour dire quoi? Que
penser non pas le moment de l'effondrement de l'URSS, mais ce qui est venu avant, les causes de l'effondrement de l'URSS, c'est aussi penser ce qu'on arrive à gérer comme économie, et je retombe sur la collapse à ce moment, c'est ce qui fait une des difficultés du fantasme, on va dire, anarcho-syndicaliste qui est dans la tête de plein de collapsologues, dont l'excellent Pablo Servigne, et voilà, c'est que on est plein, et je m'inclus là-dedans, c'est qu'on est plein à militer pour clairement pour la fin de l'ultralibéralisme. Il y en a pas mal qui ont le fantasme de modèles économiques franchement alternatifs, mais moi j'ai à peu près aucune confiance dans notre capacité collective à gérer ces modèles alternatifs de façon un minimum pertinente. Ok, tu as parlé d'outils tout à l'heure. Selon toi, on les a ou pas, les outils d'une future résilience après l'effondrement ? C'est un peu différent. En fait, il y a deux choses. Il y a des outils de gestion, on va dire, je vais être caricatural, mais c'est pas grave. Il y a des outils de gestion d'un côté et il y a des politiques de résilience de l'autre. Alors après, c'est vrai, la vraie bonne question, qu'est-ce qu'on sait faire de façon rationnelle pour fabriquer de la résilience ? Et on a un bout de réponse dans la pensée des communs. Mais ça ne suffira pas. En revanche, de dire qu'une des mesures, une des urgences même de résilience, c'est de revisiter les communs et d'être capable de s'approprier certaines ressources, et au premier lieu des ressources naturelles comme l'eau, la qualité de l'air, de les penser comme des communs, et du coup, à minima, parce que c'est le plus facile de sanctionner des gens qui dégradent ces communs, voire de, alors ça c'est plus compliqué, de donner une prime à des gens qui ressourcent des communs, je pense en particulier au sol qu'on a saccagé pendant 3 siècles depuis le début de la révolution industrielle, et qu'il faudrait, alors ça va vraiment pas être simple, mais qu'il faudrait revitaliser, ça c'est super intéressant. Mais la question c'est comment on le finance et comment on le rend rationnel. Après tu as une autre un autre truc dont je pourrais vous parler si ça vous intéresse, c'est la notion de d'entreprise à mission, et qui est le nouvel habit de ce qu'on appelait avant la responsabilité sociale de l'entreprise, comme outil de pilotage de enfin. Merci Annel. Oui, c'est vrai qu'on a une dessinatrice aujourd'hui, Annel, qui nous fait le plaisir de suivre nos discussions et de l'illustrer. Juste Nicolas, peut-être en une minute, tu peux définir un commun ? Ah bah oui. On peut considérer par exemple que, enfin c'est pas le cas pour le moment. On peut considérer que le thon rouge en Méditerranée, ça devrait être considéré et géré comme un commun. C'est-à-dire qu'en fait, on a plein de flottilles de pêche en Méditerranée qui peuvent exploiter le thon rouge avec ces petites ailettes jaunes là, qui est si bon. Et puis quand j'avais, quand je vais vous raconter ma vie parce que je trouve que c'est plus intéressant en fait. Quand j'avais 25-26 ans, j'habitais à Marseille. Et j'en ai fait des thons, c'est ça ? Ouais. Et le thon rouge à l'époque, ça me valait 70 francs le kilo. Quand j'allais acheter du thon, c'était super bon. Et puis à un moment donné, c'était le bon thon. C'était de bon thon, ouais. Le mec, je l'ai fait venir comme sniper. Et en fait, bon, bref, merci Yann. Et donc, le thon rouge à l'époque, il valait 70 francs le kilo. Et puis à un moment donné, on en a trop pêché. Et ça a été considéré comme une ressource qu'on a su à peu près préservée, parce qu'il y a eu tout simplement une interdiction de vendre du thon, quand bien même on le pêchait, parce qu'on avait des filets qui faisaient que on se retrouvait avec du thon. Enfin bref, on n'avait plus le droit d'en vendre. Ou alors, il fallait vraiment être copain avec un pêcheur pour pouvoir avoir un bout de thon rouge de Méditerranée, qui était super bon. Il y a 6 espèces de thon dans le monde, le thon rouge de Méditerranée était très bon. Et donc, on n'a plus le droit d'en acheter pendant longtemps. Et puis maintenant, c'est revenu parce qu'on a su considérer que c'était une ressource qui valait plus que le profit immédiat
de quelques pêcheurs, et puis parce que les pêcheurs, ils ont pu se diversifier, et puis parce qu'on a pu mettre un petit peu d'énergie pour monitorer la reprise d'une ressource qui était menacée d'extinction, mais elle aurait pu aussi s'éteindre. Donc bah, ça, c'est cool, parce que bah, ça prouve que quand on veut, on peut préserver certaines ressources. Ok. On t'avait proposé de parler de cette idée, on va se faire parler sur quatre gros mots, on a parlé un petit peu, effondrement, décroissance, résilience systémique. Je vais essayer de c'est un peu plombant quand même ce que tu nous dis, enfin, moi ça me plombe un petit peu, tu sais, j'ai peur de plus voir. Je me suis mis cadeau parce que j'ai parlé de manger des animaux. Désolé. C'est ça, moi mon truc c'est champagne jacuzzi au bord de la mer Adriatique, donc là je suis un petit peu emmerdé pour mon été. Et puis j'ai envie que tu me parles de résilience, parce que quand le 11 mai on va me forcer à aller devant mes élèves, comment je vais leur faire comprendre qu'ils vont peut-être mourir demain, mais que peut-être pas. Donc donne-moi de l'espoir pour leur dire le 11 mai que mine de rien on se reverra peut-être en septembre. Ouais. Alors, je vais m'appliquer, hein, parce que ta question, elle n'est pas badine. Bon, d'abord… Parce qu'ils m'ont posé la question, hein, tu vois, c'est super anxiogène. Moi, ils sont tout petits, hein, mes gamins, je suis en primaire. Je sais qu'ils flippent et le maître, il sait tout, normalement, pour eux. Alors, on va leur apprendre que non. Mais mine de rien, c'est hyper anxiogène et… Non seulement, ils ne pourront pas venir pleurer dans mes bras, parce que s'ils sont à moins d'un mètre, j'aurai un grand coup de règle jaune. Mais du coup, comment faire? Ouais, non, mais je vais pas prendre. Bah, alors d'abord, on est une quinzaine sur Zoom et plus sur Facebook et sur YouTube. Ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez m'aider, hein, parce que. Et vous pouvez prendre la parole, parce que ça fait un peu les mecs qui parlent là, les filles qui parlent pas. Ça gêne mon côté féministe. Ça manque de temps, c'est ça? La première chose que je leur dirais. Mais ça engage que ma subjectivité, c'est que on vivait dans un monde qui était pas parfait avant la crise, et que la crise c'est une bonne occasion de corriger ce qu'on peut. On corrigera pas tout, si tu leur dis ça tu leur mens, mais un peu à leur échelle, et puis je pense on peut avoir un espoir pour qu'en France, il se passe plus de choses que dans d'autres pays. Un peu à notre échelle et un peu plus si on est suffisamment ingénieux et tout ça, il peut se passer des choses un peu comme avec le thon. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut avoir, au prix de certains efforts et au prix de certaines renonciations, on peut progresser. Et moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que si on était resté, tu trouveras une formule plus adaptée, mais si on était resté le cul dans la graisse, ces efforts, on ne les aurait pas faits et on aurait pu continuer à faire des bêtises qui auraient été beaucoup plus compliquées à corriger. Ok, je vais essayer avec ça. est-ce que vous avez mieux comme pour les élèves de Manu, les autres? Non, je passe. Mais peut-être qu'on a appris en tout cas à moins consommer, et cette crise, elle nous a appris qu'on pouvait vivre en consommant moins, et c'est peut-être la première chose à faire et à leur donner comme clé pour effectivement augmenter notre résilience, c'est apprendre à moins consommer. Moi, j'ai une question idiote en fait, mais comme je suis vraiment un novice et que je suis un peu râlé patate, c'est quoi la résilience? Ah, la résilience, c'est la capacité. Ouais, déjà, mais on ne va pas le gronder, c'est pas l'esprit. La résilience, c'est la capacité à résister à un choc. Voilà. Donc là, on est dans un. Alors après, tu peux l'appliquer à l'échelle d'un individu. Boris Cyrulnik, il en parle beaucoup pour des gens qui vivent des chocs psychologiques un peu raides. Tu peux en parler pour un matériau, tu peux en parler pour un système. Il y a certains systèmes informatiques qu'on qualifie de résilients, par exemple. Et donc, par contamination, notre société… Pardon ? Un point de vue collapse, du coup ? C'est la réponse au collapse. Enfin, voilà, si je simplifie,
Mais c'est, non, ce n'est pas une simplification, je dirais. La collapso, c'est poser le diagnostic, et le diagnostic est super compliqué à poser. Et il y a un grand sac tout neuf dans lequel il y a quelques idées qui répondent à une partie des problèmes de la collapso, et c'est la résilience. On va dire c'est différent d'anticipation, du coup. Il faut attendre le choc quand même pour voir si la résilience. La résilience, on ne peut pas l'anticiper. C'est ça? En fait, ouais, là, je dirais qu'il y a entre un tiers et la moitié des collapsos, même s'ils ne le diront pas tous, qui pensent qu'on n'est pas assez discipliné et on n'est pas assez conscient et on n'est pas assez mûr collectivement pour pouvoir anticiper les chocs et qu'il faut qu'on se les prenne pour corriger ce qui peut l'être. Ben justement, on ne peut pas avoir des clés là-dessus. Ça, c'est mon boulot de prof, tu vois, justement. Comment arriver à faire que les générations suivantes, s'il y en a, soient assez mûres pour ne pas arriver à ce choc, mais à l'anticiper. Mes élèves, c'est ensemble. J'ai envie de faire l'année prochaine sur le mot ensemble, toute l'année prochaine avec mes élèves. Mais comment passer de cette culture d'attendre qu'on se prenne un truc sur la gueule, quoi. La culture du pansement, j'appelle ça. Ce sera ensemble ou ensemble? C'est la culture du pansement aussi. Ouais. Je vais te faire une réponse. Alors, je saute à l'autre extrémité. Ça fera peut-être plaisir à Vanessa. Je vais te faire une réponse un peu servignesque. Hein. Tu médites, tu pratiques la gratitude et puis tu réfléchis vraiment tu fais vraiment des efforts pour t'informer, même quand tu as 7 ans et même quand tu as 10 ans, et sans t'intoxiquer, ce qui est très difficile, parce que si tu avales trop de mauvaises nouvelles, il y a un moment, ça va devenir contre-productif et tu ne te dis pas que tu es responsable de tout et de tout le monde, mais il n'y a pas 50 solutions. Il faut passer du temps à réfléchir, il faut faire des efforts pour soi et croyant, c'est bien de pratiquer la gratitude et c'est jamais perdu de méditer. Ouais. D'accord, j'ai une prise de parole. C'est une proposition de Gaël Giraud de refonte complète de l'éducation dans son interview de la semaine dans le Figaro pour développer notre capacité collective de résilience. Ouais. En tout cas, je prends aucun risque. Notre système scolaire, en particulier l'université que je connais un peu mieux que le primaire et le secondaire, il est arrivé en bout de course. Soit il finit de crever sur pied, soit on arrive à garder 2-3 trucs et à refonder quelque chose dessus, mais on peut plus. Enfin, c'est juste pas viable, quoi. C'est un peu comme dans une certaine mesure, c'est un peu comme le système de santé et ce qu'on est en train de traverser avec le système de santé, c'est la démonstration par le fait que, indépendamment de la part de PIB qu'on consacre à la santé publique, on a un système qui n'est pas ultra fonctionnel. En tout cas, c'est peut-être gaulois, mais on peut lui faire quelques reproches. L'université, c'est la même chose en 10 fois pire. Voilà. Donc, je pense que, et il y a de bonnes et de mauvaises raisons à ça, mais je pense qu'une réforme, c'est pas pour faire le faillot avec Gaël Giraud qui est le mec que j'estime le plus dans la collapso, refonder l'éducation nationale, ça serait pas un luxe. Ouais. Pardon, même le Figaro donne la parole au collapso, du coup. En fait, c'est allé super vite quand il y a. Pardon, je tire un peu la couverture à mon petit égo, mais quand on a créé les cafés collapse, on passait tous pour des fous, Cassandre, infréquentables, dépressifs, ce qui était vrai. Sauf que un an après, je me souviens très bien dans les groupes Facebook, on commençait à se féliciter quand on avait un petit peu de presse dans de la presse de deuxième ou troisième rang qui commençait à parler de nous, et à chaque fois on se faisait caricaturer, c'était une catastrophe. Et puis très vite après, on a eu de la presse, mais tu vois, TF1, BFM, machin.
et ça parlait pas trop mal de la, enfin ça commençait à parler moins mal de la collapso. Et maintenant la question, ça sera pas via la collapso, parce que la collapso ça reste toujours inacceptable, hein, donc bienvenue au collapso show, mais ça, ce que je vous dis là, vous l'aurez pas partout. En revanche, que les histoires de résilience ça devienne à la mode, ça j'ai aucun doute, et je vous dirais même que le résilience washing a déjà un peu commencé. Le résilience washing, ouais, comme il y avait du greenwashing, c'est pas une bonne nouvelle en gros, parce que McDo va nous faire du résilience washing, quoi. Ouais, je pense, ouais. Ah. Okay. Ça sera peut-être pas McDo en premier parce que ça se verra, mais tu sais, McDo, quand ils ont changé la couleur de leur logo, qu'il est passé de rouge à vert, c'était déjà quelque chose. Et puis ben, maintenant, ils vont nous expliquer qu'ils vont encore plus s'approvisionner localement, le capitalisme. Enfin, il y a deux choses. Il y a deux façons de le voir, mais les deux ne sont pas exclusives. Moi, je conjugue très bien les deux. Le capitalisme est plein de ressources. Enfin, le libéral, on va dire, pas le capitalisme, moi j'ai pas grand chose contre le capitalisme, mais le libéralisme a plein de ressources pour continuer à exister demain, et le mieux qui puisse nous arriver, c'est qu'on arrive à tuer l'ultralibéralisme, mais allez, je dirais 30% de chance qu'on y arrive. Donc demain, le capitalisme va se réinventer, et notamment via les entreprises à mission, le fait de revisiter la responsabilité sociale de l'entreprise et différents outils comme ça, il va être capable de parler de résilience, j'ai aucun doute là-dessus. Et après, il le fera sincèrement ou il ne le fera pas. Et après, l'autre chose, c'est que collectivement, on est dans une société qui n'est pas capable de suffisamment d'ingéniosité et d'élan collectif pour fédérer suffisamment de personnes pour qu'il y ait quelque chose de positif qui se passe. Je suis très sceptique sur la capacité de... Si tu veux, quand je vois mon voisin vichiste qui a appelé les flics quand je faisais de la corde à sauter dans le jardin, les queues de 3 heures pour aller au McDo quand il réouvre, et le comportement des gens, à l'échelle de la société française, je pense pas qu'on ait l'élan et les ressources, surtout après l'épuisement de lutte sociale qu'a représenté les Gilets jaunes. Je ne pense pas qu'on ait suffisamment d'élan pour casser ça et dire « Ok, c'est l'an zéro, on y va pour de vrai ». En fait, dit plus simplement, la majorité des gens, il y a des gens de bonne volonté, il y a des gens qui ont envie d'autre chose, mais clairement, la majorité des gens en France aspirent surtout à brader ses libertés individuelles pour pouvoir retrouver quelque chose qui ressemble à la société qu'on a quittée avant la crise. Ok. T'as un rôle de l'école là-dessus. Il y a des questions qui se posaient sur avoir la main sur les contenus des programmes pour réformer le système scolaire, quelle réforme pour l'école, etc. etc. Réponse pas suffisante, du coup, de mettre tout l'espoir sur l'école. Ouais, moi, c'est exactement. Moi, alors, je ne sais pas, je surinterprète peut-être un peu ce que tu dis. Pourquoi est-ce qu'on attend ça de l'école ? Dit autrement, pourquoi il n'y a pas des collectifs de gens qui se disent « Bon, ben ok, l'école, c'est dans le tableau, mais j'ai envie d'apprendre d'autres choses et je ne vais pas les apprendre ni dans l'éducation nationale, ni au CNED, là, mais je vais aller rencontrer des gens, je vais apprendre, je ne sais pas, la permaculture, un petit peu d'électronique pour pouvoir réparer 2-3 trucs chez moi. » En fait, le problème, c'est comment tu... Et c'est là que moi, je... Pardon, mais c'est mon petit moi anarchiste, minarchiste qui me fait dire ça. Les gens, ils attendent trop de l'État avec un grand E, et t'as l'impression qu'ils ont perdu la conscience de leur propre capacité d'autonomie et des fois d'auto-organisation et de progrès à la fois individuel et avec des petits collectifs. Et c'est pourri. Enfin, ça, pour moi, c'est un des trucs qui me fait pas avoir confiance pas avoir énormément confiance dans notre culture, au sens freudien de culture. Bon, t'es pas le seul. Il y a John et Julien, pareil, qui nous disent qu'ils n'ont pas confiance dans la communauté, en le sens de la communauté en France. Bah, moi, j'aurais aimé. C'est-à-dire qu'il y avait. Un idéal républicain, je ne sais pas où il est passé, quoi. C'est à la fosse commune. Ouais, entre autres.
Merci Yann. Vers 1871, on voit à peu près où il est parti, ouais, je suis d'accord. Pourtant, le monde associatif n'a jamais été aussi important. Les solidarités, le troc, ouais. C'est quand même... il me semble. Hein, bah, je te remercie pour ton... Il n'y a pas de deuxième degré derrière ce que je dis. C'est cool qu'il y ait des gens optimistes. Après... je vais garder pour moi l'analyse de la place du mouvement associatif dans notre culture aujourd'hui. Je suis ravi que ça existe et je suis sûr d'un truc, c'est que c'est beaucoup plus épanouissant pour des individus aujourd'hui de vivre des trucs plus ou moins en autogestion dans des assos que d'attendre ça de leur entreprise ou de l'État. Ouais. Est-ce que ce n'est pas un collapse justement ça du coup, de se dire on se débrouille tout seul? Si. Alors, pratiquement, là, pareil, je fais une généralité, mais sans problème, deux tiers des collapsos sont anarchistes ou pas loin d'anarchistes dans leur des collapsos historiques. Ils sont anarchistes ou pas loin d'anarchistes politiquement. Ouais. Avec toutes les nuances de l'anarchie, c'est-à-dire que Pablo, il est Pablo, pour parler que de lui, et quelques autres sont beaucoup dans des formes collectives de... Il vient de l'éducation populaire, tout ça. Et puis après, il y en a d'autres qui n'en met pas beaucoup, qui sont plus individualistes, mais anarchistes. Donc, il y a différentes tendances, du coup. Ouais. Et ça, c'est un problème aussi, parce que ça ne nous aide pas à faire programme. C'est-à-dire, c'est exactement comme les anars au début du XXe siècle. On est beaucoup plus prompt à se prendre la gueule entre nous sur des histoires de virgules et de plateformes que de réussir à avoir... trois ou quatre mesures phares à mettre en avant et pour lesquelles on se battra ensemble. Okay. Et là, tu nous dis le refus de parvenir, tu peux préciser quand tu écris le refus de parvenir. Ouais. C'est la belle et adamantine Corinne Morel d'Arleux qui a mis ça en avant dans son très beau petit essai plutôt coulé en beauté que flotté sans grâce. Et il y a deux, trois notions. C'est un bouquin, ça se lit en deux heures. Je ne vous en dis pas plus, mais le refus de parvenir, c'est le fait de se dire que psychiquement, éthiquement, ce qu'on peut vivre de plus beau, c'est pas un plan de carrière. Voilà. Ok. Est-ce que quand même l'ultralibéralisme n'est pas plus résilient que nous? Je pense pas, parce que en fait l'ultralibéralisme dans ma tête, hein, l'ultralibéralisme déjà ça suppose une performance, un niveau d'optimisation et du coup de sophistication qui le rend vachement fragile. Non seulement parce qu'il bouffe le cul de la planète, mais en plus parce que quand tu fais du trading à haute fréquence. Il y a un moment, ça peut se retourner contre toi. Et en fait, non, les écoles de résilience, je suis désolé, de toute façon, vous interprétez comme vous voulez le cas que je vous donne, mais non, je ne vais rien dire. Mais l'ultralibéralisme, c'est super performant, c'est super égoïste, mais je ne pense pas que ça soit super résilient. Voilà. Ok. Pour être résilient, il faut être low-tech. Il faut être low-tech, il faut être ingénieux, il faut être rustique, dans le bon sens de rustique, c'est-à-dire qu'il faut éviter toute complexité inutile. Ça, c'est notamment quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle Tenter, mais surtout que je connais par mon copain Grégoire Chamba, qui l'a beaucoup analysé, qui explique ça. En fait, c'est la loi des rendements décroissants, mais appliquée à la société. Une société, plus elle évolue, plus elle innove, plus elle devient compliquée. Et au début, ces efforts d'innovation et d'optimisation, ça paye. C'est-à-dire, c'est évident, c'est ça qu'il faut faire et c'est bien. Et puis, il y a un moment où on passe un cap et où, en fait, tu peux faire des tas d'efforts pour être encore plus performant, encore plus sophistiqué, ça ne paye plus. Et non seulement ça ne paye plus, mais ça commence à dégrader. D'abord, ça dégrade ton niveau de performance d'ensemble, mais en plus, ça te rend plus vulnérable. En économie, c'est archi connu, ça s'appelle la loi des rendements décroissants.
Et donc, Joseph Tainter l'a largement appliqué au système Fonplex et à nos sociétés. Et pour lui, une des raisons de l'effondrement historique de certaines sociétés, c'est qu'elles arrivaient, en gros, elles n'arrivaient plus à se renouveler. Elles arrivaient en bout de course. C'est le seuil de Peters, non ? C'est quand on arrive à son niveau d'incompétence ? Le point de Peters, c'est la version un peu lol de ça. Mais ouais, c'est ça. Dans le management, ça dit que… Voilà. Ouais. J'ai Julien qui nous demande, la dernière référence, c'était quoi, Julien ? Tu parles de Corinne Morel d'Arleux. Ouais. C'est ça ? Ouais, plutôt couler en beauté, fouetter sans grâce. D'accord. Et si vous voulez l'écouter, allez, je fais ma pub, allez sur la chaîne des Cafés Collapse. On a un Café Collapse qui était consacré à l'axiologie du pari de Pascal, parce que dans les autres notions, donc il y avait le refus de parvenir, mais dans les autres notions qu'elle a bien abordées, il y avait le pari de Pascal. En fait, elle se dit finalement… je vous dis rien. Allez, Zaka, allez le voir sur. Il y a Cédric qui pose la question. C'est chaud de faire société sans complexité, non ? Je pense pas. Moi, je sais pas. Pourquoi ? Je veux bien. Je sais pas. Il est dans les vignettes avec nous sur Zoom. Ouais, il est là. Tu veux développer comme ça ? Peut-être j'interprète pas bien. Je voudrais bien que tu développes, s'il te plaît, si tu veux bien. Tu veux prendre la parole, du coup. Cédric Duroux, il est là. Salut. Oui, alors peut-être qu'on parle pas du tout de la même chose, et peut-être que ton discours est davantage sur la question de l'économie, mais il me semble que c'est incroyablement la vie, ne serait-ce que la vie démocratique, est incroyablement complexe et demande beaucoup de nuances et de négociations, etc. Et il me semble que moins on va vers la complexité, plus on risque d'aller vers quelque chose d'autoritaire, sans nuances et de normé. Mais peut-être qu'on ne parle pas du tout de la même chose. J'ai peut-être pas compris. Ouais. Non, mais c'est peut-être moi qui n'étais pas clair. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, là, je sais pas, ce soir, il se trouve que j'ai beaucoup parlé d'économie, mais je ne suis pas économiste. Hein. Bon, voilà, donc je l'ai fait un peu à la zob. Après, c'est super intéressant ce que tu dis sur la démocratie. Ça ouvre une porte sur la démocratie. Alors, je vais citer un autre grand de référence autour de la collapsologie, qui est Jean Covici. Jean Covici, alors qu'on ne l'attendait pas du tout là-dessus. Ah, t'as... J'essaie de communiquer, je crois. Ouais, non, le chat. Jean Covici, en fait, il a fait un long développement sur le fait de dire que la démocratie, c'était un système qui était super intéressant, mais super inefficace. Super intéressant en termes de valeur, mais super inefficace en termes d'organisation. Et du coup, lui, il spécule sur le fait de dire que la démocratie est corrélée aux révolutions industrielles, et que dans l'époque de l'Anthropocène, on devrait faire au conditionnel, on devrait faire le deuil de la démocratie à cause de son inefficacité. Ce qui n'est pas ultra réjouissant. Et après, ce coup-ci, j'interprète vraiment ta question, mais j'avais envie d'amener quand même cet encart. Après, la question que tu poses, c'est est-ce que, par essence, la démocratie n'est pas complexe, nuancée ? Est-ce qu'elle ne nécessite pas beaucoup de débats, d'échanges ? Je vais m'en tirer avec une citation. Je ne sais jamais si c'est Marat ou si c'est… ou si c'est David. Enfin bon, c'est un des deux peintres de la… d'abord de la Révolution et puis après de l'Empire, à qui on a dit, mais c'est quoi, tu te retrouves à peindre Napoléon alors que tu étais un ardent républicain et tout ça. Puis il a dit, mais en fait, nous n'étions pas assez vertueux pour être républicains. Eh bien, je ne suis pas loin de penser comme lui. C'est-à-dire qu'en fait, la démocratie et la République, c'est super quand tu as des gens qui sont bien élevés, qu'ils ont dans un coin de leur tête qu'il y a l'intérêt général et qu'il y a ton intérêt particulier, et qu'ils arrivent à faire des arbitrages quand ils votent entre les deux pour leur éviter de tomber dans tous les pièges du premier démagogue venu. Et je pense pas, alors là, pour le coup, je suis sûr,
Mais je suis peut-être cynique, mais je pense pas du tout qu'on en soit là aujourd'hui. Mais alors, du coup, tu prônes quoi plutôt, une dictature éclairée, un truc Ah putain, c'est enregistré. En vrai, si j'étais rationnel, je prône le minarchisme. Moi, je pense comme Soro que l'État qui gouverne le mieux, c'est celui qui gouverne le moins, et que ce qu'il y a de plus rationnel dans le contexte, c'est de rendre le moins de comptes possible à l'État, de s'en éloigner le plus possible, et d'essayer de faire société, mais à d'autres échelles, et d'essayer de faire son développement à d'autres échelles aussi. Mmh. Voilà. Moi personnellement, mais alors attention, hein, on est bien d'accord. Là, tu m'as posé une question personnelle, ça a répondu de façon personnelle. Ça ne gâche pas la collapso. Mais moi personnellement, je suis anarchiste minarchiste. Ouais. Ok. Ça me fait penser. Moi, je pense tout à l'heure, tu parles de vie simple, etc. Je pense à mes parents en fait, qui habitent en Savoie dans un bled où il y a 100 personnes. Le confinement, la crise du Covid-19, pour eux, ça n'a rien changé. En fait, rien. Ils ont leur jardin, leur lapin, leur machin, leur truc, leur bidule, leur voisin. Alors, leur voisin, il reste sur le trottoir, mais il se parle quand même en gueulant un peu plus fort que d'habitude. Mais c'est vrai que sur cette simplicité, etc., qu'on sait pas vraiment, ils n'ont pas une vie complexe, mais du coup, ils sont rustiques. En fait. Et puis ils ont un peu confiance dans ce qu'ils peuvent faire eux, c'est-à-dire que c'est pas un citadin comme moi qui saurait pas tordre le cou d'un lapin ou faire pousser trois salades. Et dès que tu dis ça, le problème c'est exactement comme la semaine dernière quand je suis parti sur des considérations anthropologiques sur ce que c'est la décadence. À partir du moment où tu dis putain c'est tellement mieux la campagne. Tu passes pour un mec anti-pro. T'as vite fait de passer pour un mec anti-progressiste. Et pourquoi tu parles de décadence en fait ? Décadence, c'est vachement moral quand même. On en a bien parlé la semaine dernière, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, un des autres accélérateurs du collapse qu'on est en train de traverser, c'est. Le relativisme, un certain relativisme moral qui se manifeste notamment par le fait que la place de l'argent dans notre société, je vais me cacher encore derrière quelques auteurs, mais les gens qui ont essayé, et je sais que c'est très vite connoté, hein, donc je fais bien gaffe, mais en gros, les gens qui ont travaillé sur la décadence, ils ont dit, les sociétés qu'on qualifie anthropologiquement ou historiquement qu'on qualifie de décadence, elles ont quelques points communs. Ces points communs, c'est les riches qui se gavent, c'est le relativisme moral, ou plutôt une forme d'anomie morale, qui fait que... tout est permis, tout le monde a raison, on ne sait pas trop. Enfin, en tout cas, il y a un énorme flou moral. En gros, il y a 3-4 caractéristiques anthropologiques de la société décadente. Et alors, le vrai problème, c'est que les gens historiens ou anthropologues qui ont proposé cette pensée de la décadence, ils l'ont fait eux-mêmes dans un contexte historique daté. Et du coup, on peut leur renvoyer que... Mais en fait, c'est terrible, cet effet miroir. C'est penser la décadence, c'est le début même de la décadence. Donc, en fait, la possibilité de la décadence devient un impensé de la recherche. C'est un peu comme si tu dis je suis pour la liberté d'expression, mais il y a des trucs qui ne doivent pas pouvoir être dits. Ou je suis pour la démocratie, mais il y a des gens quand même, je me demande si c'est bien qui vote. Tu vois, c'est ce genre de contradiction ontologique qui fait que, en fait, la décadence, c'est un tabou de notre pensée anthropologique. C'est très, très difficile de l'aborder sereinement. Mais à la fin, je répète que ce que j'ai dit la dernière fois, et c'est pareil, ça n'engage pas le débat collapsologique parce que c'est vraiment un impensé du... c'est même un tabou du débat collapsologique. Je pense que Cyril Hanouna, c'est un accélérateur de collapse.
que le temps que les gens passent à se crétiniser devant des gens comme ça qui te font miroiter une prime à du nichon et à de la vulgarité et tout ça, enfin des gens qui tirent pas qui essayent pas de tirer le meilleur de l'humanité qu'ils ont en face d'eux, mais au contraire qui surfent sur ce qu'il y a de plus médiocre, en fait c'est anti-résilient par construction. Mais si je dis ça, on va dire, bah, t'es Zemmour ou t'es Onfray, t'es en train de parler de décadence, oulala, c'est mal. Et ben, dans le fond, je le pense, mais je peux vraiment pas l'assumer. Enfin, là, ça va parce qu'on est sur Confinance TV, c'est expérimental, machin, tout ça. Mais si demain, je fais un café collapse sur le thème de la décadence, je vais avoir plein de gens qui sont dans ce que Nietzsche appelait la moraline, de gens qui vont trouver cette idée insupportable et qui vont m'étiqueter mec d'extrême droite facho quoi. Mais la collapso a besoin de la décadence, donc pour terminer. En fait je pense que, enfin je reviens là-dessus, c'est, je peux pas le dire de façon plus résumée, je pense qu'on est dans une société qui a beaucoup de caractéristiques de la décadence et je pense que c'est un accélérateur de collapse, c'est de l'anti-résilience, ouais. Bien. Individuellement et collectivement. Je ne sais pas, Olivier. Nichon est un petit peu attiré comme ça. Vas-y, Yann. Enfin, vas-y, parce que. Non, mais c'est un peu tard maintenant, mais bon, c'est pas grave. Tu disais le nichon, ça ne nous tire pas vers le haut, je ne sais pas quoi, mais ça aide un petit peu quand même. Mais bon. Ok. Olivier, t'es gardien du temps. C'est pas du tout. La collapso, c'est pas la collapso. Est-ce que vous vous régalez de cette décadence? Je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous... Ouais. Est-ce qu'on a ce que Freud appelle le Schadenfreude, le plaisir malsain de la souffrance de l'autre? Moi, si je suis honnête, ouais, ça m'arrive. Ouais. Des fois, si je fais pas de, des fois, je fais pas l'effort de prendre sur moi de ça. Après, je donnerai pas de nom, mais j'ai des copains collapso qui font de temps en temps des interventions et tout ça, et de temps en temps, ouais, ils peuvent en rajouter. Puis après, t'as des gens comme Pablo, alors certes il a cette aura un peu christique, en fait on fonctionne tous un peu pareil. Moi je suis pas absent de, enfin voilà, je vais pas faire de généralité, je réponds pas pour tous les autres. De temps en temps ça m'arrive c'est pas cool hein, mais c'est pas bon pour mon karma, mais ça peut m'arriver, ouais. Et justement Pablo, il a inventé un terme là assez rigolo pour dire ceux qui se réjouissent d'annoncer les savapétistes, voilà, les savapétistes, merci, ça me revenait pas. Ah, pas mal. Alors, c'est un tout petit peu différent. Le savapétiste, c'est le mec qui dit bon, on a compris, le diagnostic est super mauvais, donc du coup plutôt que de soigner mon cancer, je vais vider la cave. Moi je te dirais, j'ai plus de respect pour quelqu'un qui est dans ou comme toi Manu, qui va vouloir du champagne et des biatchs je sais pas où, enfin si après le collapse au chaud tu te dis que ben foutu pour foutu, autant profiter de la vie comme des gorées. J'aurais plus de respect pour perso, j'ai plus de respect pour quelqu'un qui est là-dedans que pour quelqu'un qui va essayer de revitaliser le libéralisme ou pour un Cyril Hanouna. La question peut-être, il y avait une question, la collapse de John, la collapso a-t-elle une tendance politique? Aujourd'hui, il est pratiquement exclusivement à l'extrême gauche avec des grosses connotations écolo. Et c'est un vrai problème parce que si on voulait grandir politiquement, je pense qu'il faudrait qu'on puisse parler à d'autres sensibilités. En gros, c'est quand on fait des sondages, tu as plus de 50% d'écolos de deuxième ou de troisième génération. Et puis le reste, ça se partage entre les grenoblois. Beaucoup de France Insoumise et quelques anards. Okay.
Est-ce que, Olivier, on n'aurait pas peut-être la parole à Anaël si elle veut parler, pour nous montrer ses dessins? Bien sûr. Ouais, carrément. Parce que du coup. Anaël a le micro, je pense. Ah. Anaël. Question, comment convertir le reste de l'échiquier politique, ça? La semaine prochaine. Alors. Je vous partage rapidement un écran. C'était lors de la Biennale des villes en transition en mars dernier, la conférence de Pablo Servigne, où il parlait des savapétistes, des aquabonistes, des survivalistes et des collapsologues. Et on est tout ça chacun. Voilà. C'est ça qu'il l'avait présenté. Super. Ouais, absolument. Voilà. Et puis après, il y a des gens qui sont, et je pense qu'ils peuvent aller jusqu'à leur lit de mort là-dessus, qui sont juste dans le déni et qui aspirent à rien d'autre qu'à la croissance. Okay. C'est après, tu sais, c'est une bulle, hein, cette histoire de collapso, c'est une bulle dans... un peu dedans et un peu dehors de l'écologie et à côté de l'écologie radicale. Mais en fait, en vrai, on était une bande de fous infréquentables il y a 2-3 ans. Maintenant, on est un tout petit peu plus nombreux et un tout petit peu plus fréquentables parce que la crise climatique, putain, qu'il ne faut pas négliger quand même, hein. Et puis après, le coronavirus et maintenant le crash financier. Mais il y a de vraies chances pour que on ne soit jamais majoritaire dans quoi que ce soit. Ok, la dernière question qui est posée. As-tu lu le livre de Marc Alizard, Le coup d'État climatique? Non. Est-ce que tu le recommandes, Cédric? Tu veux en dire un mot? Alors je vais le trahir en le résumant trop simplement, mais c'est un tout petit livre très nerveux, un peu coup de gueule ou puf. Je sais pas si tu connais Marc Alizard, c'est un philosophe très très surprenant qui a écrit des choses très très différentes. Il a écrit un livre sur le protestantisme, un livre sur son chien, la mort de son chien, et là ce livre qui est une sorte d'analyse marxiste, trotskiste, mais avec quand même des critiques. Et c'est un livre qui tire les oreilles un peu aux partis écolos habituels en disant vous faites trop le pari d'une moralisation de la population, ça n'arrivera pas, il faut gagner du terrain sur ceux qui sont en train de flinguer la planète et se battre avec les mêmes armes. Donc innover de manière d'un point de vue technologique, etc. Là, je résume vraiment à grands traits, mais c'est vraiment un essai très très stimulant. Et ça me ferait plaisir d'en reparler lors d'un autre collab show, si tu as l'occasion de regarder. On te fait une rubrique. Alors la semaine prochaine. D'après, c'est quand toi t'es prêt, mais t'auras tes 10 minutes de présentation. C'est gentil, j'aurais préféré avoir ton avis dessus, qu'on en discute et tout ça. Venir alors, du coup. Tu l'as en version électronique, Je peux le récupérer, ouais. Si tu veux me l'envoyer, reste après qu'on raccroche, je te file mon mail et puis. Ça marche. Ouais, puis je te dirai, ouais. Une dernière question peut-être avant de conclure. Dans le studio, on va rendre l'antenne pour l'enregistrement du coup, pour avoir un bouclet final. Dernière question qui a été envoyée. Crack financier, ce n'est pas plutôt crack de l'économie réelle et pas juste financier? Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Ce qui est sûr, c'est que tout à l'heure, on parlait de récession et en fait, on l'est déjà depuis le dernier trimestre 2019. En Allemagne comme en France, ça n'a pas été dit, mais les économistes le prétendent. Donc, effectivement, c'était un crack de l'économie réelle. Et en plus, comme l'a dit notre ami, c'était gonflé aux hormones avec du quantitative easing qui a démultiplié la bulle de manière délirante.
Mais effectivement, il y a le réel qui est en cause et la finance vient rajouter une couche là-dessus. Mais ce n'est pas une crise financière du tout à l'aune de celle qu'on a connue en 2008. Hein, ça n'a rien à voir. Et puis ça va être une autre ampleur. Hein. Bien. Acheter du champagne, quoi. Ouais. Peut-être une dernière. Encore une histoire de bulle. Hein. Mieux vaut la bulle de champagne que la bulle financière. Ouais. Mais je ne suis pas très champagne. Mais peut-être que. Alors, je ne sais pas, c'est un commentaire pour la prochaine émission avec ton ou tes invités. J'ai l'impression que le sentiment de geste, on est un peu dans une sorte de constat un peu acide du monde, donc dans quelque chose un petit peu analytique. On constate, est-ce que la Collapso en a sous le coude en termes de propositions c'est quoi un monde Collapso en quelque sorte du coup, ou une fois qu'on a partagé ce constat est-ce que vous avez des préconisations ou pas? Donc, on va peut-être pas faire le débat maintenant, mais pour la prochaine émission du coup, une fois qu'on a partagé ce constat, qu'est-ce qui se passe après quoi? Ce que je te propose, on le fait en deux fois, on va faire une émission avec un monde collapsé, mais au sens de claquer au sol. Et puis après, on va faire une autre avec un monde devenu résilient. Peut-être. Et dans tous les cas, alors ouais, je vous l'avais dit, bah, pour ceux qui sont là sur Facebook, et puis je le redirai sur Facebook, mais on aura alors c'est sûr, on aura Vincent Mignoreau comme invité. Ceux qui s'intéressent déjà un peu à la Collapso, ils savent. Donc pour ce qui est de comment dire, pour ce qui est de la joie et de l'allégresse, c'est pas lui. Hein. Voilà. On parlera du champagne avant, tu vois, c'est ça le truc. Ouais. Et avec Vincent, on en a parlé et c'est très en phase avec les échanges que j'ai eus déjà avec vous. La caméra a bougé. Bah, tu as un joli plafond. Avec Vincent, on parlera de ce qui était prévisible et de ce qui n'était pas prévisible par rapport à ce qu'on traverse. En sachant que je pense qu'on n'a pas tous les deux, on n'a pas tout à fait le même point de vue. Bon voilà, c'est ça qu'on vous proposera. Peut-être, alors ça c'est pas sûr parce que je lui en ai pas encore parlé, mais peut-être que ça sera plus léger et plus décalé et plus politique aussi. Peut-être qu'on pourra avoir Bridget Kyoto, la youtubeuse qui est un peu qui est marrante. Et puis voilà. Puis de toute façon, il nous en reste combien, Olivier, des collabs sociaux? Enfin, si on est libéré le 11 mai comme prévu, il en reste deux. Qu'on soit enfermé encore plus longtemps que prévu, ce que je ne souhaite pas, ce que je pense que personne ne souhaite. Mais normalement, si le 11 mai, on essaye de reprendre plus ou moins une vie normale et si Manu va accueillir ses enfants à l'école, enfin ses élèves, pardon, à l'école, Confinage TV, ce sera arrêté le 11 mai. Ouais, alors on va poser la question comme ça, c'est toi tu veux arrêter Confinage Télé parce que c'est une expérience, tu veux l'arrêter quand? Ah bah le dernier jour du confinage, enfin du confinement, ça c'est dit dès le départ, on va dire, dès la levée des clous prononcée, dès qu'on est libéré, on arrête Confinage TV, ça c'est évident. Alors, okay. Sachant qu'il y a une saison 2 en novembre, hein, puisque ça revient, on est d'accord. Mais on revient. Back. On pourra parler aussi peut-être du tout de survivalisme comme le propose John du tout. Ouais, John, ouais. Ouais, ce que vous voulez. Je veux pas vous imposer. Moi, je voulais que ça soit plus sympa que les cafés collapse. Donc, c'est vos questions qui priment. Mais indépendamment de ça, ça me fait plaisir de ramener Vincent. Vincent passera une tête et après, c'est vos questions qui prévalent. Merci beaucoup Anaël pour ces dessins, merci Manu, merci Sana, et merci surtout Nicolas. On peut continuer d'ici dans le studio, mais j'envoie le générique de fin pour clore cette séquence et rendre l'antenne sur YouTube. Merci à vous. Merci Olivier.
Je ne suis pas sûr qu'il soit résilient. Après, je coupe la retransmission.